Il passe des 0 à 200 en deux foulées. Et à l'extérieur maintenant, Feed the Flame qui jaillit. Feed the Flame qui passe en revue le peloton. Mais Adelaide River qui se défend très bien à son intérieur. Feed the Flame va-t-il s'imposer? Il prend l'avantage sur Adelaide River. Feed the Flame qui remporte le Grand Prix de Paris. Christian, quelle machine là. T'as dû prendre un pied. Pas possible de faire dernier premier comme ça. Un vrai kiff ce soir là. Il met du temps parce qu'il prend du temps à chauffer. Bah après, il passe des 0 à 200 en deux foulées. Avec le propriétaire gagnant, monsieur Bouchard, félicitations. Merci. Avec son frère, c'était mal passé. Il y avait eu un peu la CGT qui avait bloqué. Là, pas de CGT, ça c'est comme un rêve. Avec Pascal Barry, ça se passe mieux. Du jockey club, il est pas mal couru, peut-être battu un peu par un manque de maturité. Là, il a fait un drôle de truc quand même. On se rend son épaule. Il a besoin de distance, il a besoin de 2004. Donc, dans le jockey club, il a fallu attaquer tôt. Et on l'a mis un peu dans le rouge de bonheur, mais on n'avait pas le choix. Là, il a eu le temps de se détendre, de rendre du terrain. Il a bien accéléré, magnifique. Est-ce que vous étiez serein, malgré tout, de voir Christian un peu derrière, un peu à la poussette comme ça, et venir en plein dedans? C'est comme ça qu'il est bien. Venir en dedans, c'était une bonne idée. Bravo! Nouveau groupe 1 pour les Monceaux. Imagine que vous avez dû vibrer dans les tribunes à voir votre protégé comme ça faire une telle performance. Bah oui, puis c'était spectaculaire de venir de derrière comme ça avec une accélération si impressionnante. Ouais. C'était un beau moment de bonheur, ouais. Fantastique.